list all my ABCs with the YZ. I paint with different colors and never in the lines. There isn't any other. I am the prototype. TikTok waste. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est l'épisode 1 d'une nouvelle série que j'ai débuté sur la chaîne YouTube Rover Family. C'est la série Conseils YouTube. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour bien commencer YouTube, comment augmenter facilement son nombre d'abonnés et légalement surtout, et gratuitement bien sûr, car moi ici rien n'est payant. Donc je vais d'abord vous présenter le premier épisode qui est débuter sur YouTube. Donc je me suis fait une petite feuille sur un bloc avec l'épisode 1. Donc tout d'abord, pour débuter sur YouTube bien sûr, il faut une chaîne YouTube. Donc pour créer sa chaîne YouTube, c'est simple en fait. Il vous suffit d'aller sur youtube.com. Vous cliquez tout en haut à droite sur sur le bouton connexion. Si vous n'avez pas encore de compte, vous créez un compte. Donc vous mettez votre nom de chaîne, voilà, vous créez votre nom de chaîne, date de naissance, adresse mail. Vous pouvez créer facilement une adresse mail Gmail. Donc c'est ça qui est facile. Le genre et tout ça. Bon après ils vont vous demander si vous êtes un robot ou pas. Normalement vous n'êtes pas un robot, hein. Donc voilà, peut-être mettre votre numéro de téléphone, pardon. Et quand ça sera fait, vous aurez votre chaîne YouTube. Donc ensuite, quand tout ça s'est créé, quand votre profil est créé, vous avez tout en haut à droite, une couleur normalement, bleu, violet, marron, la couleur on ne sait pas encore, enfin on ne sait pas du tout. Donc vous appuyez dessus et vous cliquez sur ma chaîne. Donc normalement, ils vont vous demander, voulez-vous créer votre chaîne? Donc vous mettez votre nom, enfin un prénom et nom. Donc en fait, pourquoi prénom et nom? Faut qu'il y ait un espace entre, faut qu'il y ait deux noms en fait, entre les, enfin il faut qu'il y ait deux noms dans votre nom de chaîne. Nous par exemple c'est Brover Family, donc voilà. Et nous sommes à 2000, attendez je vous voyais pas, 2102 abonnés au moment où je fais la vidéo. Merci beaucoup, ça passe vraiment vite. Et notre objectif avant le 22 juillet 2016, c'est les 3K. Donc je ne sais pas si ça sera possible. Donc voilà. Donc quand vous avez mis votre nom, votre nom de chaîne, votre chaîne sera créée. Mais pour que vous attirez l'attention des spectateurs, on va dire ça comme ça, des spectateurs, il faut quand même que votre chaîne soit attirante. Pour que votre chaîne soit attirante, il faut réaliser une bannière et une photo de profil. Donc au début de la chaîne, vous faites simple. Donc il existe des logiciels sur smartphone gratuits. Donc pour ça, je vous laisse regarder des vidéos sur YouTube, car je ne pense pas faire des vidéos de tuto miniature, bannière, logo. Enfin, dites-le-moi si vous voulez hein, que je fasse des tutos bannière YouTube, par exemple, sur ce smartphone, donc iOS et Android. Donc, créer une bannière de chaîne. Donc, ça peut être un fond avec une couleur, ou alors un fond, par exemple, je sais pas moi, avec des fleurs, un fond... une barrière, la mer ou quoi que ce soit. Et dessus vous mettez votre nom de chaîne. Donc par exemple si votre nom de chaîne s'appelle c'est votre prénom par exemple, vous mettez Studio François par exemple, je vais m'appeler Studio François. Je mets mon fond et j'ai écrit Studio François sur le milieu de ma bannière. Voilà. Et après vous pouvez rajouter aussi ce que vous faites sur la chaîne hein, vraiment des petits mots clés. Par exemple si vous faites du lifestyle, vous écrivez lifestyle challenge et tout ça comme nous. Bah là on a pas écrit en fait, on a juste écrit Brover Family et c'est tout parce que je préfère comme ça. Donc voilà pour la bannière, ou alors vous écrivez seulement votre nom. Il peut aussi avoir une incrustation de votre visage, vous en fait, votre corps sur la bannière. Donc ça, les incrustations, vaut mieux utiliser, je sais pas s'il existe des applications pour faire des incrustations d'images et tout ça. Et moi j'utilise Photoshop de toute façon pour tout ce qui est bannière, photo, miniature et tout ça. C'est Photoshop sur PC. Et ensuite pour la photo de profil, bah là c'est hyper simple. Vous pouvez tout au début mettre votre tête, votre visage. Alors si vous voulez pas du tout montrer votre visage sur YouTube, bah vous mettez comme sur la bannière un fond. Et vous écrivez soit votre nom encore, ou alors vous mettez une petite image assez stylée on va dire. Une belle image quand même, HD, essayez de trouver, vous allez sur internet, vous écrivez, par exemple vous voulez une image, je sais pas moi, une image de rose, bah vous mettez rose HD et vous aurez des images de belle qualité, voilà. Voilà pour la bannière et la photo. Ensuite, il faut réaliser le à propos de la chaîne. Donc le à propos de la chaîne en fait,
c'est ce qu'il va décrire ce que vous allez faire sur votre chaîne YouTube. Donc moi je ne sais pas si vous avez déjà été voir notre à propos, n'hésitez pas à aller le voir car c'est rempli et on explique tout ce qu'on fait sur la chaîne. Donc le à propos, désolé, le à propos en fait il se situe, donc moi je suis sur ce téléphone, tout au bout, à propos, et moi j'ai fait une description où j'ai dit, je vous l'ai dit, j'ai dit salut tout le monde, bienvenue dans la team Brover Family. Je m'appelle François, j'ai 16 ans et j'ai un petit frère qui s'appelle Nathan qui a 9 ans. Nous habitons dans le nord, près de Lille. Sur notre chaîne, nous faisons des vidéos challenge, jeux de société, courts-métrages, vlogs et encore plein d'autres choses. Vous êtes en toute sécurité sur cette chaîne, aucune insulte et gestes déplacés. Si notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, c'est entièrement gratuit et ça nous redonne le sourire. Un grand merci à tous nos abonnés. On a mis un petit contact professionnel. Donc pour le début de votre chaîne YouTube, contact professionnel, c'est, ça va servir un petit peu à rien. Car ça va être les partenariats en fait. C'est plus à partir de 1000 abonnés, les partenariats YouTube. Ensuite, on a mis notre musicali. Donc c'est notre musicali à nous. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est François et Nathan. Et on a juste écrit notre rêve, 10 000 abonnés. Donc notre premier rêve YouTube, c'est les 10 000 abonnés. Si on peut les réaliser cette année, ça serait vraiment super. Sinon, bah l'année prochaine, vraiment l'année prochaine, j'aimerais trop les avoir. Et on a mis les dates, des 100 abonnés, des 1000 abonnés. Et on a mis nos petits réseaux sociaux sur la bannière. Donc voilà pour le à propos. Donc vous vous décrivez, vous vous dites, vous vous appelez comment, vous avez quel âge. Si vous voulez dire, ne dites pas votre adresse ni votre numéro de téléphone sur YouTube, car c'est privé, c'est confidentiel. Moi j'habite près de Lille, je ne dis pas ma ville exacte car j'ai pas envie que tout le monde sache où j'habite réellement pour l'instant. Donc j'habite près de Lille, voilà. Après pour ceux qui habitent, pour ceux qui nous suivent sur Instagram, nous avons mis une ville un peu plus proche de la nôtre. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram, c'est François et Nathan _ officiel. Donc voilà, c'était les premiers conseils sur YouTube, débuter sur YouTube, donc créer votre chaîne YouTube, donc c'est simple. Ensuite, réaliser la bannière et la photo de profil, donc voilà, ça c'est simple aussi. Vous avez des tutos sur YouTube, pardon. Et réaliser aussi, écrivez votre à propos, donc décrivez-vous et décrivez ce que vous allez faire sur votre chaîne YouTube. Donc voilà, c'était la première partie, le premier épisode de la série Conseils YouTube. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à des pouces bleus, des commentaires et à partager. Et surtout, si c'est pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien rater et ne pas rater les suivants épisodes de la série Conseils YouTube. On se dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut !